Et salut tout le monde, c'est Matef. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo exceptionnelle avec une nouvelle mise à jour. La mise à jour 3.0 avec énormément de nouveautés. Donc je vais vous teaser un petit peu après. Alors déjà nous avons une nouvelle mise à jour. Oh, il y a un nouveau stage qui est Hippo Camping. Et nous avons aussi deux nouvelles armes. Il y a déjà vu que des armes. Le marqueur des généaux, le compresseur alu et le DKB 13 bêta. On va tous les trois les tester. Et le double Kevin 525 chic aussi. Je ne me souviens plus très très bien. Nous avons donc aussi les amis le rang X, si je me souviens bien. Nous avons aussi également Ayo qui est revenu dans l'Octalion, on va aller voir ça. Et voilà, c'est tout. On aura l'Octo-expansion plus tard. Voilà, là on va le voir. Voilà. Des modifications ont été apportées à Splatoon 2. Et on va directement aller jeter d'abord les 4 premières armes. Ok, donc alors, on va directement aller acheter toutes les armes. Qu'on a, vous voyez, je suis passé plus 0 en défense de zone. Parce que vous avez vu, j'avais sorti une vidéo en forest plus. Bon, alors, on va tout passer parce que là, les amis, ça va être tellement, tellement long si on ne passe pas. Alors, maintenant il passe au décap. Puis le double canet 125 chic. Très bien. Hop, on l'achète. C'est le premier qu'on testera, lui ce sera le deuxième. Hop, lui c'est le troisième. Et lui c'est le quatrième. Et voilà les amis, maintenant on va directement aller dans l'Octalion. Vous allez voir, Ayo est enfin arrivé. Depuis ce teaser, j'avais tellement hâte d'aller la voir les amis. Et voilà, Ayo et Oli qui papotent. Ah zut, je suis retiré dessus. Je croyais que j'étais encore sur ce coin. Attendez, elles vont se dépouiller. Tranquille. Voilà. Ah. Et salut les requins, je suis de retour. Et pas franchement fier de moi. Je comprends que je m'en veuille, mais je te promets que je vais rattraper le coup. Les Calamazon et les Scatons, c'est pas ton nouvelle version, c'est un nouveau complet. Je vais rester ici jusqu'au retour de papier de numéro 3. N'hésite pas à repasser nous voir. Où est-ce que ma vie a bien pu aller se fourrer cette fois-ci? Oh, les amis. Alors, je crois que dans l'auto-extension, on devra aller chercher Macalamar. Et qu'elle nous aidons dans l'auto-expansion. Shabada, Shabada, voici notre trophée du jour. Oh, un horoscope. Voyons. Oh, c'est bon, je l'ai. Tu veux des victoires à l'appel? Ton badigeonnaire avec ses effets et l'arme qu'il te faut. Oui, enfin, c'est pas prendre en pied de la lettre. Hein. Non, c'est pas juste prendre en pied de la lettre. Sauf qu'aujourd'hui, on va jouer avec d'autres armes. Bon, alors, on peut directement sortir l'Octalion. On a aussi donc le rang X qui est arrivé, mais bon, je vais pas pouvoir vous montrer. Étant donné que je suis que S+0 en défense de zone, je suis désolé. Bon alors, on va directement jouer en match classique avec, pour commencer, le marqueur léger Néo. Et c'est parti. Et donc, nous voici sur Hippo Camping. La nouvelle map. Est-ce qu'elle a beaucoup changé? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, déjà, on n'avait pas ça dans Splatoon 1. C'est une nouvelle plateforme. Ouh! Ici, il n'y a plus qu'une seule barrière pour monter. Avant, il y en avait deux des rampes là. Il y en avait une ici là. Ok, très bien. Ici, on a un canon. Ici, on a une petite éponge. En plus, on pourra grimper. C'est vraiment pas mal ça. Ça, je crois qu'il y avait déjà. Ici, un autre canon. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le centre, ça n'a pas vraiment changé. Oula, ouais. Oh oui, mais en même temps, ça me tire dessus. Ouais. Et je vais peut-être dû aller en balade, finalement. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Bon, sinon, globalement, à part les canons, l'éponge et la petite plateforme, mais si ça peut beaucoup changer. Sinon, ça n'a pas grandement changé. Nintendo. Ah, ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça. C'est vraiment pas là.
Les dados n'ont pas vraiment beaucoup changé, ils voulaient juste me le ressortir aussi. Et aussi long, tu peux améliorer sur un truc. Oula, je me suis fait bien avoir. Oui, si je l'ai pas dit, on va jouer tout le match sur les coups d'armes. Moi les amis, je vous donne qu'un petit avant-goût des armes sables, vous voyez, je vais jouer. Essayez chez vous, hein, franchement. Bon, en même temps, je pense que tout le monde va essayer, hein. Sauf ceux qui ont pas soif de jeu. Oula, il est vraiment fort là avec la baston. Oh, je l'ai tué. Oh, mais non. Voilà, alors par contre. Ouh, en plus, j'étais au corps à corps, mais tu vois, c'était vraiment qu'à l'avantage. Bon, le marqueur léger néo, il est bien. Il est vraiment bien. Personnellement, j'aime bien. Ah, à encore une minute, les portes se ferment. Fermeture des portes, c'est-à-dire qu'on voit le salaire. Oula. Ouais, ça se sort des skis. Bonjour le master. Ah mince, mais... aïe, aïe, aïe. Chut, t'es quand même nul. Oula, ça a ancré chez nous, mais on a un petit peu l'avantage quand même. Attendez, j'ai ancré un petit peu chez nous. Ils ont bien rempli. Ok, là on a bien l'avantage. Je sais pas ce qui est passé par là. Bon, ils sont en danger. 20 secondes, normalement on a gagné. Bon les amis, j'ai vraiment hâte que l'Octo Expansion sorte. Je vous ferai directement en live dessus. Directement. Ouais, bon, Hippocampi n'a pas bien changé, hein. Mais c'est quand même déjà pas mal. J'avais remarqué en faisant d'autres matchs avant, parce que je suis pas directement tombé sur Hippocampi comme vous voyez dans la vidéo, hein, qu'ils avaient aussi rajouté des musiques dans le jeu. Et il y a de nouvelles musiques, donc en gros, vous pourrez les essayer à la borne dans le square ou en match tout simplement. C'est vraiment super sympa. La Nintendo, ils sont vraiment défoncés pour cette mise à jour. C'est aussi bien que la mise à jour 2.0. J'ai vraiment hâte de l'Octo Expansion. Bon, allez, on va changer de matos. Qu'est-ce qu'on va prendre? Maintenant, on a dit qu'on prenait le compresseur Alu, puis le Beta, puis le double Kelvin 525. Chic. Et, bah, les amis, on y retourne. Ah bah, c'est directement parti, donc j'ai pas besoin de faire du montage sur cette petite partie-là. Sauf s'il y a Montamaria. Bah, il y a Montamaria. Les amis, on va quand même jouer un petit peu sur Manta Maria, c'est pas très très grave. Hein. Ce matin, j'ai pas beaucoup de temps, donc je préfère le jouer directement. Bon alors, dans la vidéo, je vous présentais le compresseur normal, qui va apparaître en haut à droite, comme ça moi, vous le reverrez, si vous voulez. Je ne savais pas qu'en fait, on pouvait spammer plutôt que de maintenir, pour shooter très très loin, et qu'on pouvait en même temps faire ça. Bon après je serai jamais un fan du compresseur les amis, j'ai toujours été nul avec. Je le teste. Ah bah écoutez, là les amis, on a une nouvelle musique là, vous entendez? Vous entendez mal, attendez. Au spawn ça ira mieux, je vous laisserai l'entendre un tout petit peu avant de lancer. Voilà, vous avez entendu. C'est une nouvelle musique et je crois qu'il y en a d'autres. Celle-ci est vrai, elle est vraiment sympa celle-là. Oula, ouais. J'ai loupé. Bah, par contre, son assortiment, les amis, je l'aime vraiment pas. Oula, ouais. Allez, au moins, ils sont séduits. Par contre, l'assortiment, les amis, je l'aime pas du tout. Une bombe splat et un lance-bulle. La bombe splat, encore ça va, mais le lance-bulle, je déteste. Et puis, c'est franchement pas adapté, je pense, pour vos armes. C'est parce que tu peux quand même tirer de loin. Ouais. C'est pas trop mal. Quand même. Enfin, pour le compresseur, pour rien, quand le compresseur, c'est bon spécial. Mais moi, franchement, je le déteste. Allez, faut moins 3 chez eux, là, on peut aller remonter. Ah, par contre, l'autre m'a tué. Avec ça, me parle.
Bon ouais, en tout cas c'est à peu près pareil que le compresseur. Ouais, c'est même pareil que le compresseur. Juste le reste qui a changé. Je suis mort. Mince. Oh mais c'est pas vraiment impossible. Et ce qui est très très bien cette mise à jour, c'est que y a pas tout le monde qui va utiliser la même arme. Là vous voyez, là il y a 4 nouvelles armes, c'est vraiment 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 génial. On a 4 nouvelles armes d'un coup, gros, bah on n'a pas tout le temps les mêmes armes. Pas comme avec les autres armes, mais exemple le double tigeur noir que tout le monde utilisait tout le temps. À sa sortie avec le slide vernis. Alors que là, bah il y a 4 armes, gros, tout le monde essaye un petit peu de toutes. Et ça c'est vraiment sympa. Franchement j'adore les grosses mises à jour de Splatoon 2. Quand il y a juste une arme, bah c'est pas non plus génial quoi, on n'est pas non plus vraiment hypé. Mais quand il y a vraiment plein de choses comme ça, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs ceux qui sont S plus 9 ou déjà S plus 10, et bah si vous êtes S plus 9, passez S plus 10, hein, vous aurez le rang X. Et si vous êtes déjà S plus 10, et ben vous avez déjà le rang X, GG à vous. Ça doit être vraiment sympa. Bon, on a perdu, c'est pas très très grave. Hein. Faut quand même pas se mentir. Hop. Bon, maintenant je vais faire les deux autres matchs sur Epo Camping. Donc je vais couper. Comme ça au moins, tranquille. Ok, bon, on s'est fait mater lamentablement en même temps. Enfin, c'est vrai, un niveau 41 étoilé. C'est pas très très grave. Ce sera vraiment une longue vidéo quoi. Hein. Allez, go. Bon, très bien, nous voici sur Hippo Camping avec le Décap Express Beta. Donc, j'ai toujours été nul au Décap, hein, même l'Alpha. Bon, le Beta, ça va pas être mieux. Mais bon, c'est pas très grave. Il a sorti de sa bombe robot et de sa chromosphère. Oula, ouais, tu vraiment. Ce que je disais, c'est que les décaps, les amis, c'est qu'ils tirent vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Et c'est vraiment chiant. Énervant, par contre. Ouais, je dois vraiment détester les décaps. Là je l'atteins, non? Ouais, j'ai vu, je pouvais l'atteindre. Oh, même quand j'ai cloché la chromosphère, je me fais avoir. Je suis vraiment mauvais. Ah, ça c'est la partie droite, c'est ok. Ah, j'ai eu. Tout de même. Ok, tout va bien. Bon, je suis vraiment pas fait pour peindre, hein, mais apparemment personne ne veut repeindre, donc cette grande plateforme, par contre, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'espace pour rien. Je pense que dans les autres modes de jeu, ils enlèveront cet espace. Vous pourrez vérifier par vous-même. Hein. Oula! Ouh, il m'a eu. Il est caché là. Ok, bon, maintenant moi, je sais qu'il est caché là. Oh, oh, le rouleau. Est-ce qu'il va l'avoir? Ah, il est mort. Non. Vite, vite. Non, je vais pas. Ah, c'est bon. Mais j'ai vu qu'il y en avait un autre. Restons prudents. Il va mort. Et j'ai même pas eu assez longue portée pour tuer là. C'est bon à la fin. Oh, je vais pas voir. Go les amis. J'en ai aucun. Quoi? Oh mais oui, mais non, mais les amis, c'est carrément abusé à la fin. J'ai rien eu du tout. Et c'est une chromosphère ou c'est... Ouais, elle a été nerfée, d'accord, mais quand même, c'est déjà il y a longtemps. En plus, elle est quand même vachement bonne, non? Elle a été nerfée, mais améliorée. C'est ça le truc, elle a été même améliorée, je comprends pas. Ok, d'accord, ils ont carrément repart chez nous. Je vais aller reprendre chez nous. Bon, les amis, j'ai éteint un sniper, mais alors pas du tout pour faire des kills. Hein. Je suis vraiment désolé, c'était un désastre. Oh, bon, ils sont carrément perdus.
Ok, c'était un désastre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bon, on s'est quand même pas fait non plus défoncer. On a quand même tenu un petit peu la route, je pense. Je suis quand même deuxième. Il y en a vraiment qui ont rien fait. Et c'est deux roues. Faut se calmer, là. Bon, vous serez ça chez vous. Parce que moi, par contre, le décap extra de bêta, vous ne verrez jamais de belles performances avec moi, avec un décap. Et maintenant, on va tester le double Kelvin 525. Chic! C'est parti. Et donc, nous voici sur Hippocamping. C'est parti. Avec le double Kelvin 525 chic. Et une nouvelle musique. Oh bah non, c'est la musique qu'on avait entendue tout à l'heure sur Monta Maria. Donc, le double Kelvin 525 chic, bah il est jaune déjà. Et ça c'est trop classe. J'adore le jaune. Et à part le fait qu'il est jaune, maintenant désormais il a un mur d'encre qui va servir à ça là, à recharger là. Et il a aussi une promotion spéciale. Non. Attendez, ils sont toujours là. Oh, tu vas voir. J'ai très très mal joué. Et voilà, et puis il a la même particularité, hein, il tire plus loin quand on a fait une roulade. Mais juste une seule fois, après la tire très très pas loin. Je parle très très bien le français, voyez. Truc de malade, comment je parle mal, je me disais bien. Oula, oula. Fallait que je me casse. Sinon après il allait m'exploser. Bon, en fait, là, nous, on va chez eux. Mais en fait, bah, eux, ils vont chez nous. Hop, allez, je vais les reprendre un petit peu chez eux. Alors, c'est tard, mes amis, je vous avoue que, comme j'ai très peu joué avec, et je vais d'ailleurs jamais jouer avec à nouveau, comme avec le nouveau Kelvin 525 normal. Et bien, en fait, je vois vraiment pas l'intérêt de ce genre d'arme. Voilà, c'est pour ça. Je sais pas ce que je suis en train de dire en fait les amis, je suis vraiment désolé. Pardon. Je vous balance des trucs, je sais même plus quoi dire. Vraiment pardon. Oula, 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 oula. Frein. Ok, fermeture des portes. Peut-être une victoire pour ce dernier match. Désolé pour les sons en arrière fond, ça va être une bêtise. Oula, 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 oula. Oui, je l'ai vu. Magnifique. Oui, ça, je... Oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette arme, je ne sais même pas du tout à quoi elle sert, à faire des kills ou à repeindre. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires, j'allais dire. Oh non, je suis rendu. Et en plus, on a perdu. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, zut. Bon, et bien les amis, j'espère que cette mise à jour 3.0 que je vous ai présenté en vidéo vous aura plu malgré cette petite défaite sur la fin. Si le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que les gens voient la mise à jour 3.0. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait et que le contenu de mes vidéos vous plaît. Et bah moi les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Testez ça chez vous vraiment, hein, ça a l'air vraiment vraiment très très sympa. J'ai pas encore tout testé. J'ai hâte de l'auto-expansion, voilà. Je vous le ferai directement en live. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !